Nous avons monté avec mes confrères hôteliers, et pas que hôteliers, mais tous les acteurs de prestige de la ville de Mougins, le Moulin de Mougins, le Mas des Grands Vallons pour un Saint-Certain, l'hôtel de Mougins, le musée d'art classique de Mougins, le spa à Yamé, donc voilà, le spa, un spa, et les golfs, le golf Royal Mougins et Cannes Mougins. On a monté une association ensemble, dont je suis le président, une association qui va aider à le développement de la ville et de la destination, hein, mais de prestige. Avec notre, on va essayer, c'est une espèce de task force où on se rencontre une fois par mois, on essaye de travailler ensemble sous de la communication, des manifestations ensemble, des événements, et mutualiser un petit peu ensemble nos efforts. On a intégré aussi une pôle d'agence de immobilière. On va probablement, très probablement, englober aussi les agences de voyage qui se trouvent à Mougins, les galeries d'art aussi, parce qu'on est vraiment sur la destination. On n'est pas seulement à parler de la gastronomie, on n'est pas seulement à parler de l'hébergement, on est vraiment en train de parler d'une destination, et une destination qui a besoin de communication, c'est une destination exceptionnelle. Mougins, c'est une ville, un village exceptionnel, le cœur du village est magnifique, et on est vraiment là pour aider avec l'Office de tourisme de développement. Je pense qu'aujourd'hui, on a plutôt la tendance à oublier que Mougins, c'est une destination de prestige, et ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est une destination qui n'est pas, malheureusement et heureusement, on n'est pas donné à tout le monde. Donc il faut rester dans cette dynamique de prestige, avec la gastronomie, avec les chefs étoilés, avec les spas, avec le bien-être, avec la culture. Et la culture et la gastronomie, ça reste quand même du prestige. Mais après, ça n'empêche pas de faire des manifestations un peu plus ouvert à public, à grand public. J'étais à New York il n'y a pas longtemps. Mougins est reconnu comme la Beverly Hills de Cannes. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les gens ils nous connaissent la ville de Mougins comme un endroit de prestige. Vous avez la métropole Nice à 25 minutes. Nous recevons aujourd'hui une délégation de journalistes qui venant d'Angleterre. Ils sont arrivés à 10h, 10h30. Et ben, ils sont déjà là en train de déguster, de profiter du soleil. En 25 minutes, vous êtes ici. En 10 minutes, vous êtes à Cannes. On a des délégations qui viennent pendant le Festival du film, justement parce qu'ils recherchent le calme et la tranquillité. On est dans le centre. On est aux portes de la Provence, pas loin de la Côte d'Azur, pas loin de ce qu'on appelle vraiment le cœur de la Côte d'Azur, pas loin de Cannes, vous venez de dire, la ville des festivals et la ville des manifestations. Donc c'est un emplacement idyllique.